Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça sera la première de l'année 2021. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2021. Un autre vlog arrivera sur notre petit réveillon et tout ça. Et je crois des courses et tout ça. Donc je sais pas si je le mettrai avant ou après en tous les cas. Mais du coup voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que vraiment tous vos projets se réalisent. Qu'on y voit enfin le bout avec cette Covid-19 qu'on n'en peut plus. Hein, et qu'on puisse enfin tous avancer, reprendre le boulot et patati et patata. Je voulais vous montrer du coup mes cadeaux de Noël. Alors il faut savoir que vu qu'on part au Canada, notre famille nous a offert quelques petits trucs, mais le plus important c'était de le fêter surtout avec eux. Et on a surtout eu par exemple de l'argent, des choses consommables à manger, parce qu'on va pas pouvoir tout amener au Canada. Tout d'abord j'ai eu le livre l'hiver. Je suis trop contente parce que j'avais eu le livre l'automne, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup je suis trop contente d'avoir eu ça par mon frère. Et il y a plein de choses mais tellement intéressantes. On apprend plein de trucs. Les illustrations et tout sont magnifiques, autant comme l'automne. Enfin franchement ça donne trop envie de lire ce livre. Donc je l'ai pas encore commencé mais vraiment falloir que je m'y mette. J'ai eu également les masques magnifiques des princesses que j'avais demandé, donc je suis trop contente, de Disney. Donc c'est trop beau, en plus le coffret et tout là, avec le petit ruban, c'est magnifique et j'ai trop hâte de les utiliser. Vous avez les 4 princesses. Vous avez Aurore, Ariel de la petite sirène, Jasmine de Aladdin et Belle de la Belle et la Bête. J'adore les masques tissus. Donc voilà, j'aime bien me faire ça quand je suis devant mon ordi et tout le soir et tout. Par mon chéri de Longchamp, je suis trop contente, j'ai eu enfin mon petit porte-monnaie. Il est trop mignon pour mettre uniquement les pièces dans ma sacoche que je m'étais acheté de Marc Jacobs. Mon gros porte-monnaie ne rentre pas dedans, donc je mets ma carte comme ça. Mais pour les pièces, en fait, ça sera mal un peu partout dans ma sacoche et c'est pas évident. Donc du coup ça suffit uniquement pour les pièces. Et bah du coup en noir il passe partout. Il est trop beau, il a juste des petites bandelettes blanches en fait dessus et je le trouve trop beau, trop classe. J'ai eu enfin mes Nike Force One Shadow, donc je suis trop contente. Magnifique, que je ne trouvais pas en ma taille, mon chéri les a trouvés. Donc j'étais trop contente de les avoir. Et franchement ça passe avec tout. Je les ai déjà portés plusieurs fois, hein, j'ai pas attendu de faire la vidéo. Mais du coup même avec une jupe, une robe, un pantalon et tout, enfin c'est trop canon. J'adore, c'est mon chéri qui m'a offert la lingerie Victoria's Secret. Je vous montre juste en fait les rubans sur les côtés, comme ils sont beaux les attaches et on est tellement confortable à l'intérieur. Donc je pense me commander le soutien-gorge là avec les soldes, peut-être qu'il va être en promo, mais ils sont magnifiques. Donc il y a un noir et un léopard. Et après vous avez des plus simples, par exemple celui-là en gris tout simple avec écrit Victoria's Secret sur l'élastique. Trop belle lingerie chez Victoria's Secret. Mon frère il nous a pris la panoplie à moi et mon chéri. Il nous a offert du coup la même chose, c'est génial. Vous trouvez tout ça à Decathlon et c'est trop bien. Donc tout d'abord le petit sous-pull blanc comme ça, en fait il est tout doux à l'intérieur, franchement ça c'est génial, c'est comme des petits polaires en fait. Et ça à mettre par exemple en dessous d'un pull ou autre. Moi par exemple je l'ai mis pour aller courir hier. Il nous a également offert le cache-cou et ça c'est génial, le petit cache-cou, je le mets pareil pour aller courir, c'est génial pour pas attraper mal à la gorge. Donc ça c'est trop bien. Et pour le Canada, bah, ça c'est vraiment des choses qu'on va mettre direct dans la valise mais qu'on s'en sert aussi ici. Également il nous a pris le legging, je vous ai dit il nous a pris la panoplie, ça c'est trop bien aussi pareil chez Decat, il est tellement agréable à porter, tout doux. Ouais, à l'intérieur en fait il est polaire, il est fourré. Également du coup les petits gants que vous pouvez mettre par exemple au Canada sous les gants, donc ça c'est hyper pratique et ils sont tactiles, donc ça c'est trop bien. Donc hier pareil pour aller courir je les ai pris et quand on a pris les photos, quelques photos voilà, à la pause, vous n'êtes pas obligé de les enlever puisqu'il est tactile, donc ça c'est trop bien, des petits sous gants. Donc on a la panoplie là pour aller au Canada et il y a également le pull en laine mérino, je sais jamais comment ça se dit. Il a pris le même à mon chéri mais en noir je crois, je sais plus quelle couleur, ou gris peut-être. Et moi il a pris un peu en jaune moutarde camel marron comme ça, il est magnifique. Et on est trop bien dedans, c'est hyper confortable. Et ça pareil c'est recommandé au Canada de le porter par exemple tous vos vêtements, parce que ça colle en fait à la peau et ça tient hyper chaud. Et la laine mérino c'est vraiment là-bas, ça c'est 100% laine mérino, c'est lavable à la machine et tout, donc trop contente. On a eu également un petit bracelet chacun, mais c'est magnifique en fait parce que c'est une créatrice, une amie à nous qui fait des bracelets en pierre et du coup bah, je le porte sur moi. Il est trop canon, mon chéri du coup a eu le même. En fait vous avez des pierres de pyrite et aigle marine, et ça facilite la communication et l'expression d'un discours clair. Ça favorise aussi la créativité personnelle et c'est la pierre des voyageurs. Donc voilà pourquoi ils ont choisi ces pierres, donc ça c'est génial. Ça recharge en énergie et ça inspire, ça accroît le sens de l'organisation et ça aide dans les métiers nécessitant de la technique. Donc en gros c'était fait pour nous, ces pierres elles sont magnifiques en plus avec la petite croix et tout, donc du coup bah moi je le lâche pas, je me douche et tout avec, donc il n'y a aucun problème pour ça. J'aime beaucoup du coup le descriptif que je garderai toujours près de moi dans mon sac et tout, et ça dans l'avion et tout bah, je le prendrai. Ça nous portera chance en plus vu que c'est la pierre des voyageurs. Ça c'était juste une super idée, du coup bah, j'en ai eu un pour moi et un pour le chéri. La même chose hein, c'est exactement les mêmes pierres. Ensuite on a eu un joli cadre, donc ça j'espère qu'on le cassera pas, mais c'est du coup de la famille en gros de mon chéri qui nous a fait ça. C'est un cadre avec les photos
photo de toute la famille du chéri. Ça nous rappellera des souvenirs, au moins ils seront au Canada avec nous, même si ils viendront pas tout de suite, mais au moins eux ils y seront quand même avec les photos et tout. J'ai trouvé ça trop mignon, c'était trop adorable. Et évidemment les pèses, mais pas n'importe quelle pèse, on a eu des pèses Harry Potter, Hermione et Harry. Et avec, bon, on les a mangés, mais on avait des pèses sour, donc acides, et c'était trop bien, miam miam, j'adore ça. Ça c'est toute mon enfance et c'est juste génial, c'est trop bon, en plus comme bonbon j'aime trop. On a eu également du vin, donc les forts de Porquerolles, donc c'est de chez nous, donc bien sûr à boire avec modération, mais le vin hein, c'est un peu nous, notre métier et tout, donc ça nous fait toujours plaisir de recevoir ça. On a eu des chocolats, c'était des truffes au chocolat Jeff de Bruges, des Kit Kat aussi comme ça avec différents goûts, donc cela j'ai pas goûté, on a fini déjà les célébrations aussi qu'on avait eu, mais là c'est des Kit Kat en plus avec plein de goûts que je connais pas, la fraise, crème brûlée, tiramisu et cherry brownie. Je me suis fait deux petits cadeaux, donc déjà je me suis pris une petite bouillotte comme ça, parce qu'il faut savoir que la mienne, ben, je l'ai cramée, ma bouillotte avocat, je l'ai laissée trop longtemps au micro-ondes et ça puait le cramé, j'étais obligée vraiment de la jeter. Je me suis racheté cette petite souris parce que je me suis dit en fait elle est moins lourde que la bouillotte en plus avocat que j'avais, donc ça a glissé dans ma valise, il n'y aura pas de souci. Ça se met uniquement 20 secondes au micro-ondes ou 30 secondes, ça dépend, pas plus. Et en petite souris comme ça, j'ai trouvé trop cute. Donc j'aurais quand même ma petite bouillotte à emmener au Canada. Je l'ai pris en pharmacie. Sur le site Aromazone, je me suis commandé le livre des guides de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle. Donc là vous avez plein de choses pour fabriquer vos soins vous-même. Mais moi surtout ce qui m'intéressait c'est par rapport aux huiles, parce qu'il faut savoir que j'ai du mal à dormir comme je vous l'expliquais depuis quelques temps. J'espère que ça va pouvoir m'aider. Il y a plein du coup de concepts, ça vous explique tout ce que les huiles de chaque plante et tout, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez mélanger, à quoi ça sert, parce que ça peut aider. Donc j'ai hâte d'utiliser ça. J'ai opté pour 3 huiles hein. Je me suis fait une petite commande, c'était mon petit cadeau de Noël à moi aussi. J'ai pris des huiles essentielles, c'est la titrie, j'ai pris la menthe poivrée de Provence et la ravintsara. Donc chacune a des vertus différentes. Donc voilà les 3 que j'ai choisies. Et j'ai également pris du coup les 3 huiles à anti-stress et sommeil. Donc ça je vais utiliser du coup dès ce soir pour essayer. Et j'ai pris l'huile de lavande aussi comme ça. Je pense que je vais même me lancer aussi, vous savez, dans tout ce qui est les pierres et tout, parce que ça aide franchement sur pas mal de choses. Et je pense que je développerai plus ça en fait au Canada qu'ici, parce que là bah, on va partir, donc je vais pas pouvoir non plus tout emmener. Tout ce qui est nourriture aussi, on a eu un saucisson, on a eu aussi des petites terrines là comme ça de chez La Pierre Audi. Donc on a eu la terrine du sud-ouest, on a eu la terrine de campagne au cognac, la terrine grand-mère au pinot. On a eu également de l'argent, on a eu des jolies cartes aussi par notre famille, ça par ma maman, le trèfle à 4 feuilles, donc ça va nous porter chance du coup pour le Canada. Il faut savoir que moi depuis que je suis toute petite, je garde toujours toutes mes cartes. Ça du coup c'était de mon père aussi, elle est trop mignonne avec le petit rouge-gorge et les deux petits rennes, elle brille, elle est dorée. Mon petit neveu il est trop mignon, il m'a fait le drapeau du Canada et tout, enfin c'est trop mignon, la petite carte elle est trop chou. Donc voilà, ça c'est des choses que je garde et que j'emporterai parce que ça prend pas trop de place. J'ai eu aussi un cadeau de la marque Ice Watch et là j'étais juste trop contente quand j'ai reçu ça. Alors déjà trop drôle, ils m'ont envoyé du miel de Bastogne original, un assortiment du chocolat du Brésil, c'est un chocolatier Pierre Platte, les nuts, je sais pas si vous connaissez. Des masques, indispensables les masques, on va en avoir besoin de toute façon dans l'avion. En 2020 en fait ils ont créé la Ice Watch, c'était le lancement de la Ice Solar Power. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une première montre avec des capteurs solaires semi-circulaires. Donc avant que ça coupe, parce que j'avais plus de batterie, évidemment ça m'arrive tout le temps quand je suis en train de fumer. Je vous disais que du coup ils avaient lancé en 2020 leur fameuse montre solaire. Donc ils m'ont envoyé ça dans une jolie pochette Ice Watch. Elle est noire, marronnée, un peu dans les tons dorés. Elle est vraiment trop mais trop belle. Alors j'ai hâte de voir du coup les prochains designs en 2021, mais déjà celle-ci elle est là quoi, j'adore, en plus noir comme ça ben, ça passe partout et ça va surtout avec tout. Il faut la charger au soleil 9 à 35 minutes et ça dure 18 heures. Si vous la chargez au soleil 90 minutes elle dure 70 heures. Et si vous la chargez 330 minutes, elle dure 110 heures. Donc voilà, j'ai la petite notice du coup de la montre et tout, donc c'est trop bien. Et pour vous dire, je n'avais même pas vu qu'ils avaient sorti ce genre de montre comme ça et je trouve le concept mais tellement bien. Et du coup, en 2021 sera le lancement des nouveaux packaging fabriqués à Bastogne. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé le miel de Bastogne. C'est là où est produit le miel issu des ruches. Et en gros, l'apiculteur Johan Arnould, il est installé à côté de la warehouse de Ice Watch. Donc c'est pour ça qu'en gros, ils ont fait une petite collaboration. C'est trop mignon. Et la Belgique, du coup, bah, pays du chocolat et des montres, quel plaisir de vous faire déguster la production de Pierre Plat, jeune chocolatier indépendant. Donc c'est des nouvelles résolutions qu'ont décidé de prendre Ice Watch, donc ça c'est trop cool. Ils vont changer progressivement avec le sourire vers des productions locales et éco-responsables. En attendant, protégez-vous bien avec les masques. Encore 3 millions de pièces en stock pour les masques. Non, ça c'est trop drôle. Hâte de vous revoir du coup en 2021. Happy New Year. Donc ça c'est trop cool. J'ai eu un chouette cadeau de Ice Watch, donc merci beaucoup. À
toute l'équipe. Donc voilà, mais du coup pour mes cadeaux de Noël, j'espère que ça vous aura plu. Je fais pas ça pour étaler ce que j'ai eu et tout. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément cette chance du coup de fêter tout simplement Noël. Sur ce, moi je vais clôturer cette vidéo aussi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et encore une fois, bonne année 2021 à vous tous. Bisous bisous.